Amen. Nous allons poursuivre notre enseignement que nous avions commencé déjà il y a 3 semaines. Je vais juste faire un retour en arrière rapidement par rapport à ce que nous avions dit la semaine dernière, parce que j'ai une question. Lorsque nous avions dit que la nourriture que Rebecca avait préparée pour Isaac, c'était, il eut un soir et il eut un matin. Il y avait un frère qui n'avait pas bien compris cela, donc le frère m'a appelé et il avait besoin de, que je puisse un peu préciser cela. Lorsque nous avions dit que Rebecca avait préparé 2 chevaux, parce que lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que Isaac dit à Ésaü, il va me chasser un gibier, afin que je puisse manger, pour que je puisse te bénir, parce que mes jours sur la terre ne sont comptés. Nous avions dit que la personne qui connaît parfaitement le goût du papa, c'est la maman. C'est ainsi que le père a dit à son fils, ramène-moi du gibier. Mais or, si nous rentrons beaucoup plus encore en profondeur dans les Écritures, nous comprenons que Ésaü n'a jamais préparé pour son père. Mais comment le père va demander à son fils de lui faire à manger alors que le fils ne connaît pas le goût du papa? C'est la maman qui connaît le goût du papa. C'est ainsi que Rebecca, lorsqu'il a entendu ce que le père disait à Ésaü, il est parti transmettre ce message. Elle est partie transmettre ce message à Jacob, afin que Jacob puisse maintenant lui ramener 2 chevaux, pour qu'elle, elle puisse préparer cela pour son mari. Or, le 2 chevaux, nous avions dit que ça représente 2 peuples. C'est ainsi que nous avions dit, le père a mangé d'abord un. C'est que nous avions dit, il eut un soir, parce que c'est le temps de la grâce. Et l'autre chevreau, le père le mangera après. C'est ainsi que nous avions dit, il eut un matin. Ça sera lorsque la grâce retournera à Israël. Donc, la mère doit préparer 2 nourritures pour le père, parce que le père en en mange que 2. Le père n'en mange pas d'autres nourritures, si ce n'est que les 2 chevreaux. C'est ainsi que nous avions dit, il eut un soir, il eut un matin. C'est-à-dire, il eut un soir, c'est la nourriture que le Père est en train de passer, c'est-à-dire c'est l'Église. Nous sommes une nourriture du Père. Il faudrait que nous puissions bien se préparer pour que le Père puisse bien nous en manger. C'est ainsi que nous avions dit, il y a eu un matin, c'est lorsque la grâce retournera à Israël, et le Père mangera aussi la nourriture d'Israël, parce qu'ils vont accepter l'enseignement du Christ au travers de 2 ans. Amen. C'est ainsi que nous avions dit, il y a eu un matin, il y a eu un soir, c'est les 2 chevaux que Rebecca avait préparés pour son mari. Donc ça, c'était juste pour éclaircir un peu par rapport à la question de notre frère. Genèse 1er, du 1er au 5e verset, le premier jour. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut les premiers jours. Amen. Ici, la Bible nous montre que Dieu, le premier jour, Dieu a créé la lumière. Dieu envoie sa lumière pour venir éclairer. Or, la lumière que Dieu est en train d'envoyer, c'est sa parole. Parce que Christ est en train de dire qu'il est la lumière du monde. Amen. Donc, la lumière que Dieu envoie au premier jour, c'est sa parole. Mais Dieu envoie sa parole dans le monde afin d'éclairer le monde. Parce que la Bible dit que la terre était informe et vide, mais il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre n'avait pas de forme. Or, cette terre qui n'avait pas de forme représente une personne. Or, cette personne, aussi longtemps que la personne n'a pas reçu la lumière, la personne restera toujours dans les ténèbres.
C'est ainsi que Dieu devait envoyer la lumière. Or, la mission que la lumière devait faire, c'était tout simplement d'éclairer cette terre. Donc nous disons que la lumière doit éclairer dans la vie d'une personne. Or, nous, nous sommes une terre que Dieu avait envoyé la lumière. Nous sommes une terre que Dieu nous a visitée au travers de la lumière. Mais est-ce que la lumière, encore une fois de plus, brille dans notre vie? Est-ce que la lumière fait le travail qu'elle devait faire dans nos vies? Ou est-ce que nous-mêmes, nous laissons, c'est-à-dire nous acceptions que la lumière puisse nous conduire? Parce que la Bible a dit que lorsque Dieu a envoyé la lumière, il n'y avait plus de ténèbres. Il y avait une partie qui était éclairée, une partie qui était restée ténébreuse. Mais la lumière éclairait la partie où Dieu a envoyé. Donc nous disons qu'un enfant de Dieu, tu peux recevoir la lumière, oui. Tu peux lire la Bible, oui. Tu peux dire je suis un chrétien, oui. Tu peux dire même que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous disons gloire à Dieu. Mais est-ce que marches-tu selon cette lumière? Parce que la lumière, lorsqu'elle vient, c'est pour permettre que Dieu puisse commencer à créer. Parce que Dieu ne pouvait pas créer, faire la continuité de sa création aussi longtemps qu'il n'y avait pas la lumière. C'est ainsi que Dieu devait envoyer d'abord la lumière pour que celle-ci puisse éclairer la terre. Nous sommes une terre que Dieu a envoyé la lumière. Acceptons-nous que Dieu puisse continuer son œuvre. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à dire que non, le Père, nous nous abandonnons entre tes mains afin que tu puisses nous diriger, afin que tu puisses faire de nous ce que toi tu veux? C'est ça la vie d'un chrétien. La vie d'un chrétien, ce n'est pas un slogan en disant que je suis un chrétien parce que les gens voient que tu pars en l'église. Non, la vie des chrétiens, ça doit se refléter par rapport à ta conduite de tous les jours. Or, la conduite de tous les jours, c'est ça qui est le travail Dieu commençait à faire après avoir envoyé la lumière. Nous sommes une terre que Dieu a envoyé la lumière. Nous devons faire le travail que Dieu a fait après l'envoi de la lumière du premier jour. C'est ainsi que nous disons que marcher avec la lumière, c'est marcher avec Christ. Parce que Christ est la lumière. Mais marcher sans la lumière, c'est marcher dans les ténèbres. Parce que dans les ténèbres, il n'y a pas la lumière. Nous allons lire, frère Bayama, 1 Jean, s'il te plaît. 1 Jean 1, versets 6 à 7. 1 Jean 1, versets 6 à 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. La Bible nous confirme que si nous sommes avec lui, nous devons marcher comme lui. Nous devons communier avec lui parce qu'étant donné la lumière, nous devons marcher avec la lumière pour être éclairés. Or, la lumière que Dieu envoie dans nos vies, ce n'est pas pour que nous puissions la garder nous-mêmes. C'est pour que nous puissions la transmettre tout autour de nous, afin que d'autres personnes aussi puissent aussi recevoir de cette lumière. Comment veux-tu donner une lumière à quelqu'un si ta lumière propre n'éclaire pas? Il faut donner une lumière qui t'éclaire afin que la personne voit que tu brilles. Et cette personne recevra la lumière que tu vas la donner. Mais si tu as une lumière qui ne brille pas, une lumière qui n'éclaire pas, comment vas-tu présenter cette lumière à quelqu'un et que la personne accepte cette lumière? C'est ainsi que nous disons, si notre vie est dans la marche avec Christ, notre vie est donc conforme avec Christ, c'est ainsi qu'on n'en aura même pas besoin d'aller dire « Frère, Dieu t'aime, frère Jésus t'aime ». Non, juste la façon comment les gens vont te voir, c'est ainsi que les gens vont commencer à venir vers Christ. Parce que les gens disent que non, cette personne marche vraiment comme Christ. Mais si on te voit différemment, sachant que tu t'es dit chrétien, nous ne voyons pas comment ta lumière peut impacter les autres. Or, la lumière impacte les autres, impacte les ténèbres là où la lumière éclaire fort. C'est ainsi que notre même David est en train de dire que même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal.
Or, pour que tu ne puisses pas avoir peur, il faut que tu puisses avoir une lumière qui va t'éclairer dans la vallée de l'ombre de la mort. David était tellement sûr qu'il avait une lumière qui ne pouvait, que l'ombre de la mort ne pouvait pas, disons, dominer. C'est ainsi qu'il était sûr qu'il a dit que même s'il va marcher là-bas, il a une lumière qui va marcher avec lui. Donc, il ne peut jamais, disons, ne pas être sûr de cette lumière aussi longtemps qu'il connaît la valeur de cette lumière. Nous sommes des chrétiens. Sommes-nous conscients de Dieu que nous servons? Sommes-nous conscients de Dieu, que de Jésus que nous avons accepté dans nos vies? Ça, c'est la question de tous les jours étant un chrétien. C'est bien beau de faire des dons, c'est bien. De mettre des offrandes, c'est bien. D'aller voir des orphelins, c'est bien. Mais est-ce que tu le fais par amour ou tu le fais pour que les gens voient que tu es en train de faire des choses? Parce que l'amour n'entend rien de retour. Si tu fais quelque chose pour que le monde voie que tu es en train de faire quelque chose, alors tu n'es pas un chrétien. Un chrétien est une personne qui marche comme Christ. Christ a dit que mes brebis entendent ma voix. Entendons-nous la voix de notre berger? Entendons-nous la voix de notre Seigneur Jésus-Christ? Ça, c'est la question que nous devons nous poser étant chrétiens. C'est bien de monter. C'est bien de pouvoir prendre une écriture, d'aller monter, de balancer, de faire ascenseur, monter, descendre. Mais si cette écriture ne produit pas quelque chose dans ta vie, nous disons que cela ne sert à rien. Or, nous devons prendre conscience, étant chrétiens, comment devons-nous marcher? Comment devions-nous fonctionner? Parce que le temps est très très mauvais. Nous avions l'habitude de dire que Christ reviendra bientôt. Oui, Christ reviendra bientôt. Oui, nous le savions parce que cela ne commence pas d'aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, comme nous avions dit la semaine dernière, les cinq vierges sages, ils avaient entendu aussi que le mari viendra. Mais ils ne savaient pas quand. Mais cela ne les avait pas empêchés de se préparer en conséquence, afin que lorsque l'époux viendra, pour qu'ils puissent partir avec lui. Donc, nous le savions que Christ reviendra. Ça, c'est une promesse. Mais quand est-ce qu'il va revenir? Nous ne le savions pas. Et nous, la mission que c'est que nous devons faire, ce n'est que seulement de se préparer en conséquence. Parce que le jour où l'époux reviendra, pour que nous puissions être sûrs que nous partirons avec lui. Ça, c'est une promesse que Dieu nous a faite. Bon, nous allons maintenant rentrer un peu dans l'enseignement. La Bible dit que la terre était informe et vide. Cette terre qui était informe, nous disons qu'elle représente une personne. Or, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous comprenons que le but, ce que Dieu devait faire, c'était que de créer les cieux et la terre. Dieu n'avait pas une mission de créer autre chose si ce n'est que les cieux et la terre. Parce que c'est ce qu'elle a commencé au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous disons que les cieux représentent aussi deux peuples. Le ciel représente le peuple du ciel. La terre représente le peuple de la terre. Mais la Bible a continué en disant que la terre était informe et vide. Il y avait l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cette terre qui était informée vide, comme nous l'avions dit, représente une personne qui n'avait pas reçu la lumière. Or, la personne qui n'avait pas reçu la lumière, cette personne ne peut pas justement donner des bonnes semences aussi longtemps que c'est une terre qui ne peut produire. Parce qu'il faut que tu puisses recevoir la lumière. C'est ainsi que Dieu dit que la lumière soit. Or, la lumière que Dieu est en train de dire que la lumière soit, ce n'est rien d'autre que ce que Esaïe est en train de dire, que la pluie vient pour commander. Or, celui qui reçoit la pluie, tu dois produire des arbres afin que les arbres puissent donner de bons fruits. Cette personne qui n'avait pas reçu la lumière, nous disons que cette personne n'est rien d'autre que notre papa Abraham. Parce qu'Abraham n'avait pas reçu encore la promesse de Dieu. C'est ainsi que nous disons qu'Abraham était une terre qui était informe et vide.
Abraham vivait chez son papa. Abraham n'avait pas reçu encore la lumière. Abraham était informe et vide. Mais le jour où Abraham reçoit la lumière, c'est à partir de là que nous comprenons qu'Abraham n'est plus une terre informe et vide. Abraham commence à prendre forme. C'est ainsi que Abraham commence à marcher petit à petit avec Dieu pour que la promesse puisse s'accomplir. Parce que Dieu donna deux promesses à Abraham. Dieu lui a donné une promesse du ciel et une promesse de la terre. C'est ainsi que nous disons que la promesse que Dieu a donnée, disons les promesses que Dieu a données à Abraham, ce n'est rien d'autre que la création du ciel et la création de la terre. Donc Dieu a créé les cieux et la terre, et les cieux et la terre, nous disons que représentent tout un peuple. Le peuple du matin et le peuple du soir. Le peuple du ciel et le peuple de la terre. Notre vie, encore une fois de plus, devait se conformer par rapport à Abraham. Abraham a eu foi en Dieu. Abraham, Dieu l'a visité, je crois qu'Abraham, il avait, je crois, 70 ans, je crois. Dieu a visité Abraham. Dieu commença à marcher avec Abraham, c'est-à-dire de 70 années jusqu'à quasi 100 ans. Abraham n'a toujours pas reçu la promesse de Dieu. Mais cela n'a pas empêché Abraham de demeurer toujours dans la présence de Dieu. Cela n'a pas empêché Abraham d'avoir toujours foi à son Dieu. Parce qu'il savait que c'est Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il finira toujours par l'accomplir. Amen. Dieu donne deux promesses à Abraham. Or, la promesse des cieux et la promesse de la terre. La promesse des cieux et la promesse de la terre, ce n'est rien d'autre que nous avions dit, c'est Église et Israël. La promesse des cieux représente l'Église. La promesse de la terre représente Israël. Pourquoi nous disons que la promesse de la terre représente Israël, la promesse des cieux représente l'Église? On arrivera avec le temps. La Bible nous dit que l'Éternel connaît la voie des justes. Un juste, la Bible dit encore une fois que les justes vivent par la foi. Tu t'es dit injuste. Vis-tu par la foi? Parce que sans la foi, ce sera très très difficile que nous puissions rencontrer notre époux. Parce que la foi va te rappeler toujours que tu passeras par des persécutions. La foi te rappellera toujours que tu dois être persécuté, mais toi garde cette foi jusqu'à la fin. C'est ainsi que Christ est dans Matthieu 24, il est en train de dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais comment devons-nous persévérer jusqu'à la fin si nous n'avions pas la foi? C'est ainsi que nous devons garder la foi comme Abraham a gardé la foi en Dieu. De 70 ans jusqu'en arrivant presque à 30 ans plus tard, tu n'as toujours pas reçu cette promesse. En tout cas, humainement parlant, on va dire que non, tu me fais perdre mon temps pour rien. Mais Abraham n'a pas dit cela. Abraham a demeuré dans la foi. Abraham a eu toujours confiance en Dieu jusqu'à ce que Dieu a accompli la promesse qu'il avait donnée à Abraham. C'est ainsi que nous, notre promesse, c'est que tel que le bout est, tel que nous serons nous aussi. Parce que la Bible dit que tel qu'il est, tel qu'il nous sera. Donc c'est-à-dire que l'époux, c'est sûr que nous avons une promesse que l'époux reviendra. Mais garderons-nous la foi jusqu'à la fin, afin que l'époux vienne nous trouver comme il le veut. Parce que l'époux vient, il ne te trouve pas comme lui le veut, il ne te prendra pas. Il ne te prendra pas parce qu'il le faut que l'Église soit une église sans tache ni ride. Mais si toi tu es une ride, penses-tu que tu rentreras, tu feras partie de l'église? Non. Or, pour que tu puisses être dans l'église, c'est-à-dire que tu sois l'épouse de l'époux, il faut que tu puisses faire un travail de préparation. C'est ainsi que nous voyons même les eunuques,
était en train de préparer Esther. Parce que Esther, avant de rencontrer le roi, elle devait être préparée. Or, la préparation que les eunuques faisaient, c'est ce que le ministre est en train de faire aujourd'hui. Dieu nous a fait grâce d'avoir 5 ministres. Dieu nous a fait grâce d'avoir 5 ministres qui nous enseignent, qui nous montrent comment marcher avec le Père. En tout cas, notre Dieu est bon, ça c'est une promesse aussi. Dieu est merveilleux. Mais si nous voulons que la bonté de ce Dieu-là demeure dans nos vies, en tout cas, nous devons faire l'effort de notre côté afin de vouloir marcher selon la parole de Dieu. C'est bien de venir à l'église, nous disons gloire à Dieu. C'est bien de se réunir ici, vraiment nous disons gloire à Dieu. Mais si nous nous réunissions ici et que juste en ouvrant cette, en sortant de cette pièce, nous reprenons notre ancienne vie, notre ancienne habitude, nous sommes en train de perdre du temps pour rien. En tout cas, nous sommes en train de perdre vraiment du temps pour rien. Nous sommes en train de passer, arriver à un temps où le mal est devenu normal dans l'église. Ça, c'est un danger. Le mal est devenu normal dans l'église. Alors que l'église devait être une église sans tache. L'église doit être une église ni ride. C'est ainsi que l'époux viendra. Parce que si nous lisons dans la Bible, nous voyons que Dieu, avant de ramener Ève à Adam, Dieu a pris du temps. Pourquoi Dieu a pris du temps de ramener Ève à Adam? Parce que Dieu voulait être sûr que Ève sera vraiment dans les goûts de Adam, parce que Dieu connaissait les goûts de Adam. C'est ainsi que Dieu a pris du temps de préparer Ève, c'est-à-dire de façonner Ève, afin que Ève ressemble à Adam, parce que Ève était tirée de Adam. Donc Ève sort de Adam. C'est ainsi que si nous retournons encore dans la création, la Bible dit que Dieu créa l'homme, il créa l'homme et la femme. Donc nous comprenons que Dieu a créé d'abord l'homme, mais il créa l'homme et la femme. Or, l'homme que Dieu créait s'est caché une femme derrière lui, s'est caché une femme à l'intérieur de lui. Or, la femme, si elle est sortie de l'homme, cette femme doit avoir la même nature que l'homme. L'Église est une épouse de l'époux. Dans un corps, il y a plusieurs membres. Tels que nous sommes ici, nous sommes des membres qui composent un corps. Mais s'il y a un membre qui est un membre défectueux, en tout cas, ça ne fera pas partie du corps. Il faudrait prendre ces membres-là, le mettre à côté et d'en prendre un autre. Veux-tu être ce membre défectueux? Ou veux-tu être un membre qui fera partie du corps, qui est l'Église, l'épouse de l'époux? Nous allons prendre la Bible, frère Bayama, dans le livre de Genèse, chapitre 13. Verset 14 jusqu'au verset 16. Genèse 13, 14 à 16. L'Éternel dit à Abraham, après que l'homme se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tous les pays que tu vois, je le donnerai à toi et ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. La Bible dit que Dieu promet à Abraham qu'il va rendre sa postérité comme la poussière de la terre. Pourquoi Dieu a commencé à promettre à Abraham que je rendrai d'abord ta postérité comme une poussière de la terre? Or, la Bible dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Or, la poussière n'est rien d'autre que la nourriture que Dieu lui-même a donnée à sa serpent. La Bible dit que Dieu a dit à Satan, vu que tu as fait cela, tu mangeras de la poussière. Mais Dieu prend la poussière et donne ça comme une promesse à Abraham. Nous comprenons que Dieu promettait déjà à Abraham que ta postérité sera esclave.
parce que la poussière représente une faiblesse. Nous comprenons que la postérité des enfants d'Israël doivent être esclaves quelque part, c'est-à-dire ils seront assujettis. C'est ainsi que Dieu commença d'abord à donner la première promesse, c'est-à-dire la poussière de la terre. Or, la poussière de la terre n'est rien d'autre qu'Israël aujourd'hui. La poussière de la terre, malheureusement, n'est rien d'autre qu'Israël d'aujourd'hui. Israël, si nous retournons même dans l'histoire, Israël partait en esclavagisme pendant 400 ans. Et ça, c'était la promesse que Dieu avait faite. Il fallait que le serpent puisse manger Israël. Il faut que les serpents mangent Israël. Mais ce qui est merveilleux avec notre Dieu, lui-même a donné la nourriture à serpent, mais lui-même aussi promet qu'il viendra pour racheter encore, récupérer encore cette nourriture. Ça, c'est la bonté. Ça, c'est la bonté de notre Dieu. Dieu donna la promesse que ta postérité sera comme une poussière de la terre. La poussière de la terre, encore une fois de plus, nous avions dit qu'elle représente une femme aussi. Parce que la poussière est une faiblesse. Et la faiblesse est la femme. C'est ainsi que Dieu, au lieu de s'arrêter là, Dieu dit à Abraham que lève tes yeux, sors, lève d'abord tes yeux. Dieu va lui dire encore à la fin que ta postérité. Or, nous avions dit qu'au commencement, la terre était informée vide. Pourquoi Dieu dit à Abraham que ta postérité sera comme la poussière de la terre, alors que nous avions dit que la terre qui était informe et vide, c'était rien d'autre qu'Abraham. Or, Abraham commence à prendre forme lorsque Abraham reçoit la lumière. C'est ainsi qu'Abraham a commencé à prendre forme. Or, nous prenons forme aussi en marchant avec Christ. En obéissant à sa parole. Amen. C'est ainsi que nous allons prendre forme, parce que nous étions informes. Parce que la terre était informe, parce que la terre ici, j'ai touché Israël, mais on peut toucher aussi les nations. Parce que si nous lisons, je crois que c'est dans le livre d'Ésaïe, merci. Dans le livre d'Ésaïe, l'Ésaïe nous confirme que la terre, c'est aussi les nations. Mais ici, nous avons pris la terre comme Israël. Donc Dieu a donné une promesse de la poussière. Cette promesse, Dieu finira par l'accomplir. Frère Bayama, s'il te plaît. Genèse toujours 15, 3 à 5. Genèse 15, 3 à 5. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Nous voyons que Dieu donne encore une seconde promesse à Abraham en lui disant que il regarde vers le ciel. Pourquoi Dieu a dit à Abraham de regarder vers le ciel? C'est ainsi que nous lui disions que nous, notre regard doit être toujours fixé vers le ciel. Parce que le ciel, c'est l'étendue. Or, l'étendue, c'est la demeure du roi. Parce que la Bible dit que le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Amen. Nous comprenons que Dieu demeure dans l'étendue. Or, l'étendue, c'est le ciel. Donc, Dieu dit à Abraham, lève tes yeux vers le ciel. Dieu lui dit que je te donnerai des enfants, c'est-à-dire ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Ça, c'est merveilleux. Or, les étoiles du ciel n'est rien d'autre que un peuple qui est libre. Parce qu'un peuple qui est auprès du roi ne peut pas être un peuple esclave.
Le peuple qui était de la poussière, c'était un peuple qui était à côté du serpent. Mais le peuple qui est, c'est-à-dire les étoiles, c'est un peuple qui est auprès du trône de Dieu. Amen. Or nous, ce trône-là nous appartient. Parce que le trône de Dieu n'est rien d'autre que Christ lui-même. Parce qu'il est en train de dire que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Or, lorsqu'il dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, nous comprenons que Jésus devient le trône, de Jésus devient la demeure de l'Esprit. Et nous, aujourd'hui, nous avons cet Esprit-là en nous. C'est ainsi que nous disons que pour un chrétien, c'est inconcevable. C'est, en tout cas, c'est vraiment impossible de se dire chrétien, mais de continuer à marcher toujours comme une personne qui n'a pas connu Christ. Une personne qui n'a pas connu Christ, on ne peut malheureusement pas la juger parce que la personne n'a pas connu encore la vérité. Mais toi, tu as connu la vérité. Parce que la Bible dit que Christ est en train de dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tu as connu la vérité. Mais comment peut-il que tu restes toujours dans la vie que tu menais avant? Or, la vie que tu menais avant, c'est une vie qui va te séparer avec le trône de Dieu. Si tu veux hériter le trône de Dieu, tu veux être parmi les étoiles qui sont les enfants de Dieu, il faut que tu puisses t'approcher du ciel. Parce que les étoiles ne se trouvent pas par terre. Les étoiles sont toujours vers le ciel. C'est ainsi que nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours demeurer à côté de notre papa. Afin que la façon comment nous allons marcher, que cela soit enseigné que par l'enseignement de la femme. Sommes-nous des chrétiens qui craignent la parole? Ça c'est encore une autre question. Sommes-nous des chrétiens véritables? Peu importe ce qui arrivera, sommes-nous vraiment capables de résister, de ne pas nier ces dieux-là? Peu importe les obstacles, peu importe la situation que tu passeras, où tu es en train de passer, es-tu vraiment un chrétien comme les apôtres ou tu es juste un chrétien par slogan? Ça, ce sont vraiment des questions que nous devons poser. Aujourd'hui, on est vraiment beaucoup plus dans l'exhortation parce que nous devons connaître les temps. C'est bien que nous puissions un peu monter de tous les côtés, mais nous devons à chaque fois essayer de monter et de descendre afin que l'enseignement soit compris dans la révélation prophétie. Mais le plus important, c'est de mettre cela en pratique. Le plus important, c'est de mettre ce que nous enseignons en pratique. Parce que c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Si nous disons dans la Bible, nous allons voir que Judas avait reçu la grâce aussi d'aller chasser les démons. Parce que Jésus les avait envoyés, je crois qu'ils étaient au nombre de 70, je crois. Jésus les avait envoyés, tous ils sont partis. Et lorsqu'il revient, ils disent même que non, maître, même les esprits nous obéissent. Et nous connaissons la suite de ce que Jésus lui a dit. Or, nous sommes ici. Nous avions l'identité de chrétien, parce que Judas, lorsqu'il partait, il partait avec l'identité de Christ. Mais est-ce que Jésus nous connaît vraiment par rapport aux œuvres que nous faisions? Par rapport aux actes que nous posons? Est-ce que nos actes, ce sont vraiment des actes dignes d'un enfant de Dieu? Ça, c'est la question que nous tous devons nous poser. On se connaît tous. Moi, je me connais. Je connais mes limites. Je sais comment je marche avec Dieu. Tel que nous sommes ici, chacun se connaît. Amen. Nous devons nous poser des questions. Est-ce que ma vie est vraiment en accord avec la parole de Dieu? Si ta vie n'est pas encore en accord avec la parole de Dieu, c'est encore le temps. C'est encore le moment encore de faire en sorte que ta vie puisse devenir vraiment en accord avec la parole. C'est ainsi que lorsque l'époux viendra, tu partiras avec lui. C'est ainsi qu'on sera heureux pour aller réunir avec l'époux. Parce que ça, c'est aussi une promesse. Dieu a donné deux promesses à Abraham. La promesse de la terre qui représente Israël
la promesse des cieux qui représente l'Église. Par là, nous comprenons que Dieu marche en deux temps. Il y eut un soir, il y eut un matin. Dieu, depuis la création, a toujours fait des choses en deux. C'est ainsi que Rebecca devait aussi préparer deux chevaux afin que Isaac puisse en manger. C'est comme ça que notre Dieu le fait. Jésus est venu pour nous rendre libres. Or, si nous demeurons dans le péché, nous sommes toujours esclaves. Or, l'esclavagisme n'est pas pour les enfants du ciel, n'est pas pour le peuple du ciel, c'est-à-dire n'est pas pour les étoiles. L'esclavagisme est pour la terre. L'esclavagisme est pour la terre. Nous, Jésus est venu pour nous libérer. Nous étions en prison, nous étions des esclaves quand nous n'avions pas encore connu Christ. Mais aujourd'hui, nous avons connu Christ. Comment pouvons-nous demeurer toujours dans l'esclavagisme? Or, lorsque je parle de l'esclavagisme, je parle du péché. Parce que je crois que c'est dans le livre des Romains, je crois Romains 3, apôtre Paul est en train de dire que si tu obéis à un esclave, si tu obéis à une personne qui est esclave, tu n'es pas différent de cette personne-là. Comment nous, étant enfants de Dieu, nous obéissons à une personne qui est esclave? Parce que Satan est esclave. Parce qu'on lui a ordonné de manger la poussière. Nous comprenons que Satan est la soumission. Donc, il y a quelqu'un qui est au-dessus de Satan. On lui a dit, tu mangeras de la poussière. Mais comment nous continuons toujours à demeurer, à être toujours la nourriture des serpents? C'est impossible, étant chrétien. C'est vraiment impossible, étant chrétien, de rester dans la vie que nous étions en train de mener avant. Nous devons faire l'effort. Encore une fois, humainement, c'est très difficile. Il y a des sacrifices énormes. Humainement, c'est difficile. Mais la Bible dit que si nous vivions, ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Si Christ, lui, a porté tous nos fardeaux, quelle sera la chose qui sera la plus difficile que nous n'arriverons pas à résoudre ou nous n'arriverons pas à résister? Le péché. Non. Jésus a déjà tout porté, le fardeau que nous ne pouvons porter. Ce qui nous reste, Jésus sait que nous pouvons l'éviter. Nous pouvons résister sur ça. C'est ainsi que la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Or, le diable, c'est le père du mensonge. Nous devons faire l'effort de conformer notre vie selon la parole. Ça, c'est vraiment très important parce que les temps approchent. Le temps approche. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra. Nous ne savons pas si ça sera le matin ou le soir ou à quelle heure. Mais ce qui est sûr, nous savions que le Père, nous savions que l'Époux viendra. En tout cas, ça c'est une promesse. Je suis parti, je ne vous laisserai pas seul. Il est parti nous préparer une place afin que lorsqu'il reviendra, il puisse nous trouver dignes pour que nous puissions repartir avec lui.